Bonjour et bienvenue dans The Manic Music Rebirth. Non, c'est pas vrai, Afterbirth. Où je viens de faire le run le plus pourri de l'univers. Non, c'était pas le plus pourri. Il était quand même bien merdique. Et oui, je suis mort, c'est pour ça que je suis un peu. Non, mais Eden, départ pourri. Enfin bref, c'était il y a. J'essaie de calculer dans ma tête, mais non, c'était il y a longtemps. Chronologiquement parlant. Et donc, on va se rattraper avec un run Azazel où on tue. Alors, hop, 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 Satan. Non, l'inverse, Isaac. Isaac et Blue Baby. Chose qui, bizarrement, nous a échappé jusque-là. C'est quand même assez étrange. C'est gentil, la batterie. Laurel et Hardy, c'est ça? Hop là. Donc ça n'est pas intéressant. C'était quoi la salle au début du coup? Ça ne sert à rien, ça ne sert pas à grand chose. Vous savez quoi, c'est très bizarre, mais je vais prendre Necronomicon. Et sur les deux choix que j'avais, c'est pas le pire. S'en servira probablement jamais. Farting Baby! Yeah! J'ai attendu cet item tellement longtemps. C'est pas vrai. Tut, 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 tut. Parfait. Bon, vous savez quoi? Hop. Le Necronomicon, c'est 7 charges. Eh bah putain. Oui, non. Yeah! Super. Ça vous gênerait de me demander mon avis avant de me téléporter? Ouais, bon. I want you to die. Est-ce que je vais récupérer ma carte The Fool? Ouais. Ah, oh, sérieux, j'ai rattrapé l'alarme. C'était minable. Faut pas faire ça. Pas bien. Deux fois. Et c'est ça. Super. Non, c'est plutôt cool. Et voilà. Non. Mauvais trinket. Donc on s'est pris deux coups. C'est pas glorieux, glorieux tout ça, hein. Et donc on va chercher ça. Super. Et la salle secrète qui est qui est probablement là-bas. Je vais dire le magasin, mais on a genre 2 centimes, c'est genre pas intéressant. Ok, boss time. Oui, je crame Necronomicon sur Ragman. Tellement chiant. Voilà, t'es presque mort, t'es mort. Ragman, merci d'être mort. Bon, oule, beaucoup de monstres. Ah, sérieusement. Et deux, un de moins. Et j'ai marché dessus. Ah. Super. Pour le coup, c'est bien ça, parce que ça me permettra de prendre ça. Ok, on est parti. Pas de cursed room. Il y aura peut-être une à cet étage. J'aurais peut-être envie d'utiliser ma carte The Fool pour sortir d'ici, mais je pense pas. Je vais raisonnablement vite. Voilà. Je fais pas ces salles normalement quand il y a un coffre gris comme ça, mais oh, range up. Je prendrai pas, si j'ai l'occasion, number one. Vous savez pourquoi?
Hein? Parce que c'est pourri. Surtout avec Azazel en fait. Ça peut être pas mal sinon, mais là c'est pourri. C'est un team T-Drogue ça. Oui, parce que je perds pas de vue qu'on a qu'un cœur, deux cœurs, trois cœurs. Parfait. Bonjour. Ah, Parting Baby, tu sers à rien. Et hop. Ah ah. C'est un niveau XL aussi ça? Non. Dommage. Oh, 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 oh. On n'a pas peur. On sait qu'on peut les tuer vite. On a 11 clés. Et... Hein? Chance! T'as 72% de chance. Si j'en ai pas un, bah c'est parce que 72 c'est pas 100%. Voilà. Donc, c'était pas par là. On n'a pas vu l'item room de l'étage, hein, je rappelle. Non, je dis ça parce que comme on n'a pas la carte, tout ça... Faut se souvenir... Olé. Sérieusement. Tanky. Oui, moi j'ai plein de vie. on va pas aller voir le boss maintenant. Parce que si on a la chance d'avoir encore un deal, on pourra pas le prendre. Maintenant on pourra. Mais on a quand même pas beaucoup de marge. Donc... On a un peu plus, mais pas encore au maximum qu'on pourrait avoir, je suis sûr. Et... Blop. Non mais... C'est de là... Oh, bien. Hein. On remarque avec Brimstone, ça aurait pu être faisable. Oh, bien ça. Parce que du coup, le deal with the devil, il est garanti. Enfin, garanti qu'on puisse en prendre un si on veut. Et qu'il apparaît. Deux conditions. Ting, tang, tong. 14 centimes, sérieusement. Pourquoi pas 15? Ça aurait été trop gentil, 15. Oh, un King Tedrock. Oups, il est à côté du bégard. Oh, ça c'est... Ah, ça cumule. Le bégard et le shopkeeper mort cumulent au niveau des chances de deal. Donc là, on a 90%. C'est pas mal. Ah, c'est mieux que 70. Évidemment. Tout le monde ici sait compter. J'espère. Et vous savez quoi? Parfait. Bien, on peut maintenant aller voir le boss en toute sérénité. Il me semble qu'il restait une batterie quelque part. Magasin. Je crois que c'est là. Je crois que c'est... Oui, c'est là. Bon, bah du coup, vu qu'on a assez speeder mode. Hein. Pourquoi? Parce que j'aime les stats. Et je vois plein de chiffres qui sautent quand j'ai speeder mode. Surtout avec Brimstone. Pap. Thumbs. Aïe. Faut pas s'approcher trop près. Voilà. Tac, tac, et tac. Oh. Est-ce que je remplace ma super Brimstone de la mort par Mum's Knife? Non. Alors, c'est pas malin, parce que Mum's Knife, c'est théoriquement mieux. Mais en même temps, si on prend Azazel, c'est pas pour y aller avec Mum's Knife. Il faut bien se dire que si on a déjà une pièce de chasse, qui est pas beaucoup, mais si on arrive à en choper deux autres, bah le Mum's Knife sera pas très intéressant. Et voilà, ça c'est fait, ça c'est fait... Oh! Arrêté par speeder mode. Lui, il sait que je l'ai pris pour les chiffres, mais il veut quand même se montrer utile, quoi. C'est bien. Brave Théo. Olé. Tu as cru, toi.
Moi je dis, les ads comme ça, les pets, c'est bien. Ah bah c'est pas la même chose là, hein. Sauf quand il va plus vite que nous, mais... Voilà, merci Speeder Mode. Sérieusement. Ils aiment pas vivre, quoi. Tap, 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 tap. On peut... Ah, on a deux cœurs rouges. Non, pas envie. Oh, sérieux? Putain, j'ai des super champions, là. D'ailleurs, vous avez vu les chauves-souris, les grosses, là? C'était pas des champions, hein. C'est juste qu'ils ont 3000 points de vie, quoi. peut-être... Non. Et toi, mon gars? Merci. Peut-être... Oui. On charge la bouche. Paf. Oui, je fais exploser des gens juste pour mon intérêt personnel. Alors de nos jours, c'est assez mal vu, hein. Mais c'est pas grave, c'est un jour. Puis le truc, c'était une espèce de grosse peluche pendouille. Non, toi t'es mort, merci. Honnêtement, triple charge avec le Book of Necronomicon, c'est pas facile. Mais on peut faire ça. Ouais, on va rester sur Flat Penny. Je sens que ça va être mieux. Si tu pouvais mourir, merci. Hop 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 hop. Même pas mal. Ouais ouais, je tire à... J'étais à gauche là. Enfin, je tirais sur la gauche. Et ça a craché à droite. Excuse-moi le jeu, mais... Non, ça, là vraiment, j'ai pas d'explication là. Ouh, Sackboy. Pas de bombe. Non, Sackboy, c'est trop intéressant. On va essayer de s'arranger. Oh, les larmes en traite là. C'est pas censé tirer vers nous ça. C'est censé être random. Elle sait, pourquoi pas. Ouh. Allez, il me faut 2 centimes. 1 centime. C'était un luck up. Yes. On en est où là? Caves 2, 11 minutes 32. Oh, c'est pas un... J'aime autant être à l'abri quand il crash. Centime, oui. Ah, j'ai même pu prendre le cœur, quoi. Ouais, on prend un peu de temps, mais... Sackboy, c'est... Bah, c'est super rentable au niveau consommable, quoi. Et même au niveau coffre, donc... Oupsie. Si vous voyez ce que je veux dire, j'aurais pu le pousser sur le... Mais je n'ai pas... Donc... Il manque plus qu'un petit Tamiz Head et on se retrouve dans une situation confortable, comme récemment. Je sais plus trop ce qui s'est passé à l'époque, mais... C'était bizarre. Ouch. J'ai géré ça comme un sac. Non, merci. Une bonne miette. Oui. Dommage. Par contre, c'était pas le chemin du boss. Excusez-moi. Ah. Les salles secrètes qui sont pas ouvertes de partout, c'est pas sympa. Allez. Oh. Reste en calme. Ouais, non, on va pas prendre ça. Je sais pas pourquoi je me suis pas encore fait toucher dans toute cette histoire. Ah, ça y est. C'était très bizarre.
Ok, donc ça c'est de la vie encore. Ça c'est sympa. Alors, Spirit of the Night est absolument pas utile. Par contre, toi, tu viens là. Boost de dégâts. En plein. Alors. Nope. Donc les grosses chauves-souris ont plus de 400 points de vie. C'est une information. En gros, juste pour info, Sackboy, ça transforme toutes les drops de pick-up en chance d'avoir un sac. Ça inclut les coffres. Donc certains coffres peuvent être des sacs. Mais après, dans les sacs, il peut y avoir des choses cool, donc c'est cool. Ok, machine bloquée. Donc ben du coup... Oh, sérieux quoi. On va aller par là. On va aller par là. Et on va attendre qu'il se calme. Et on va aller par là. Oh 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 oh. 11 de dégâts. Nope. Vous voyez, Necronomicon, il est mal aimé parce qu'il y a des items actifs tellement mieux. Mais si on n'a pas d'autres items actifs, il est bien. Il est long à charger, mais quand il est chargé, il est chargé. C'est un niveau XL ça? Non. Je pense que quand il y a trois grandes salles qui s'enchaînent, je commence à avoir un doute. Tac, toc, tac et toc. Nope. Oh les sacs. Ah oui, et donc comme je disais, tous les drops donnent une chance d'avoir un sac. Et comme quand on prend une pièce, on drop une clé. La clé a une chance d'être un sac. Vous savez quoi? Voilà. Et c'est plutôt cool tout ça. Non, ça c'est Curse of the Maze en action. Il est pas mort. Oh l'enfoiré. Il a eu le temps de me... Pas chic. Et chaque sac peut dropper des pièces, les pièces peuvent faire dropper des clés, les clés peuvent être des trucs, et ainsi de suite. Allez, on va voir ce que c'est quand même. Non. Si. Oh yes! 9 lives. 2 items de Guppy. Ça se goupille bien tout ça, ça se goupille bien. Non, ça c'est un coffre, on ne tire pas sur les coffres, on les ouvre. Sérieusement, ça enchaîne. Là-haut, salle de combat, plus salle secrète. On va essayer. Oh, vous savez quoi, on va se faire une salle en plus pour le plaisir. Non, c'est pas une salle pour le plaisir, ça. Hop. Sérieusement, Sackboy, c'est trop la fête. Magicienne, m'en fous. Aerophant, allez hop, soyons fous. Two of Hearts, inutile. Ça, encore plein de trucs, on a plein de batteries, quoi. C'est n'importe quoi. Et on a un super deal with the devil. Hop. Un petit USL, c'est cool. Bon, du coup, on peut pas faire le combat, mais c'est pas grave. On va aller vite, fait, bien fait, vers le boss. Enfin, quand je dis vite, encore Hierophant, parfait. Voilà. On a dit vite. Putain, là. Les chances d'avoir une batterie dans Sackboy, c'est phénoménal quoi. Dans un sac, je veux dire. Ouh, l'explosion. Joker, c'est mieux que Hierophant. Sérieusement. Voilà.
Hill with the Devil, bien sûr. On l'a déjà vu. J'ai juste rechargé ma batterie. Mon item, pardon. Hop. Si on a un deal au prochain étage ou si on n'en a pas, on l'aura quand même. C'est une bonne nouvelle. Et donc là, par contre, j'ai pas la carte. C'est un peu dommage. Oh. Pin. Et le troisième. Parfait, merci. Au revoir. Suivant. C'est pas par là. On n'a pas beaucoup de temps si on veut voir Boss Rush. Après, est-ce que je veux voir Boss Rush? Pas spécialement, pour être honnête. Mais bon. Ça peut être un item sympa. Et les items sympas, c'est sympa. Il est où le dernier truc? Je crois qu'il est invisible. Non, pas du tout. Si. Mais on est invulnérable. Sérieusement. Aérofante, quoi. Nope. Oui. Non. On va faire ça comme ça. Oui, non. On joue à Reigns maintenant. Pourquoi il a pas attaqué là? C'était bizarre. Ça va être limite pour Mom, hein. Surtout si on la trouve pas. Sérieusement. Ok, c'est juste là. On peut pas ressortir après, c'est ça le problème. Bah vous savez quoi, hop, on s'en fout. Allez, meurs! Sérieusement, putain, elle a failli, failli pas y arriver. Donc boss rush, de la vie, machin en haut, le dé, machin et machin. Petit tinted rock. Ouais, petit small rock, ce serait non. Honnêtement, on va prendre. Ça c'est quoi déjà? Je sais plus. Ah, on va prendre ce que je sais plus ce que c'est. Scorpio, poison tears. Ici, on va prendre ça. Et ça. Comme ça on vole, ouais. Et tant pis pour le reste de l'étage. Parce qu'on peut littéralement pas aller le faire. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même pris un bon boost de dégâts encore. Il ne manque plus qu'un peu de portée et. Comment elle s'appelle déjà? Tammy's Head. Poison Tear, ça marche avec la Brimstone. C'est pas super utile, mais ça marche. Oh, Virgo. Ah, c'est bien ça. Hop. Encore un petit. Virgo, c'est, je crois que c'est l'effet du cancer quand on se fait toucher ou quelque chose comme ça. C'est sympa quoi qu'il en soit. Vous savez quoi, il n'y a pas de raison de faire cet étage en fait. À part se prendre des coups éventuellement. Ouais non, allez hop. Il est empoisonné non? Ouais. Puis Buff Meat qui se met à tirer. Et... Cramperino. Eh, je suis invincible. J'avais oublié, j'ai le Polaroid. Oui, bah alors on va rester là-dessus. C'est quand même plus utile. Le corps qu'on drop en utilisant les Pinkman Shears, il dure tout le temps du combat. Exemple, Hush. C'est un exemple. Faut que je me souvienne de pas attaquer le mob le plus proche quand je suis dans une salle. Parce que le Daddy Longlegs va s'en occuper.
tempérance. Intéressant. Strength, c'est plus intéressant, on va dire. Sérieusement. Eh, encore un sac. Avec Hangman qui, pour le coup, ne sert à rien. Oui, il y a peut-être. Non, a... je suis pas sûr qu'il y ait une salle secrète possible à côté à cause de la toile d'araignée, mais. J'ai jamais vraiment vérifié la faisabilité du truc. Je suppose que c'est possible vu qu'il y a une toile d'araignée devant la vraie porte. Et la condition pour que la salle secrète soit possible, c'est qu'il faut que ce soit une. Il faut qu'il soit possible de mettre une porte au même endroit. Donc. Bon, de toute façon. Vu le layout là, il n'y en avait pas. Donc on a 7 minutes pour trouver le boss et le tuer. Ça doit être faisable. Encore que selon le layout de l'étage, ça peut foirer. Et... quand on a un vulnérable, c'est plus facile. Sac ? Non, pas sac. Eh, on n'est pas full life, les gars. Aïe ! Ça pique ! Aïe! Super! Je savais bien qu'il y avait un truc qui était drop. Oh! C'est plus sympa ça que tout le reste. Vous voyez, si le jeu me tente avec plein d'items comme ça, peut-être que je vais avoir du mal à arriver au niveau du boss. Mais il y a peu de chance quand même. Profiter de ce moment de silence. Télépills, paralysis, range up, parfait. Je vais pas prendre les télépills parce que j'ai pas envie de rater le boss. Non. J'ai hésité à utiliser le Dice Shard, mais vu que je vais probablement aller voir Hush, encore que ce soit pas une bonne idée, je pense que je vais garder le reroll pour soit un deal with the devil, soit un... Pourquoi ça s'ouvre pas? Ok. C'est sympa ce genre de truc. Non, Daddy Long Legs, aujourd'hui c'est tout pour moi. Non plus. Ah, au fait. Il y a tellement de batterie dans l'étage que ce serait dommage de pas le faire. Ok, donc pas de deal with the devil là. Mais... est-ce que je vais voir Hush? Parce que là, concrètement, ce serait pas très malin. C'est pas là que je voulais aller d'ailleurs. Batterie, non. Ok, on va chercher une batterie là où il y en a une. Bah, là. Ce serait pas très malin d'aller voir Hush et en même temps... c'est très amusant. Non, on a quand même un run sympa au niveau violence. Ce serait ballot de pas en profiter. Déjà, on va prendre ça, c'est sûr. On va aussi prendre ça en espérant que ça me pourrisse pas la vie. Toi, t'es pas mal. J'aurais peut-être dû regarder ce qu'il y avait en face avant. Encore une fois. Toi, Diamond, c'est pas fort. Troll bon. Toi, Diamond, c'est pas fantastique. Judgment, c'est pas fantastique non plus. The World, c'est bon. Tu me rends fou. Ouais, j'ai un peu cramé les trucs, mais. Est-ce que je prends ça? Ça me fait une vie en plus. Ou est-ce que je prends ça qui ne sert à rien? Eh ben. Oh 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 oh. On est guppy, hein. Au passage.
Et on va prendre ça, ça donne un peu de vie. Alors, Guppy change considérablement la donne. Wheel of Fortune. Hangman. Two of Spades. J'aurais bien aimé un petit joker, mais bon. Toi, t'as quoi, toi? Des araignées. Ok. Donc, on va prendre ça pour qu'elle réapparaisse pas plus bas. Allez, on va même l'utiliser, soyons fous. Bon, on n'a pas 3000 points de vie, mais on est Guppy et on a Pinking Shears. Ça se négocie. Déjà, là, voilà, il va se coller dessus, le corps. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, on a Boss Brain à gérer. Et le Pinking Shears Body qui est au bon endroit, comme vous pouvez le voir. Ça donne à cœur joie. Et on charge vachement vite aussi, je me rends compte. Je suis invincible, mais il est caché. Ah, l'enfoiré. Allez. Putain, jamais il sort. Hein. Et là, je suis plus invincible, forcément. Ok. Comme ça. On évite. Allez, Bob's Rain. Oui, j'attaque pas tant que j'ai pas Bob's Rain qui est sorti. Les mouches là font que le corps reste près de Hush. Je pense que c'est pas ce qu'il prévoyait, mais c'est ce qui se passe. Invincibilité. En plus, elle dure bien, c'est celle de un petit vaisselle. Ben, elle dure bien dans une certaine mesure. Olé. Mouche time. La mosca. Non, le corps, il fait pas beaucoup, il fait 55. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle il le fait? C'est quand même pas mal. Ok, il faut se mettre bien là. Il y a un endroit en bas à droite de Hush, en bas à gauche, là où j'étais, où on est vraiment... On se fait jamais toucher. Invincibilité. Ouais, alors le couteau il y va. C'est fini. Et c'est fini. Non, sérieux, c'était rigolo. On avait tellement de moyens de faire du dégât bah, qu'on en a fait. J'étais bien content de pas être mort surtout. Alors, Wheel of Fortune, ce sera pour l'étage d'après. Ici, on a rien. Je rappelle que l'objectif là, c'était de tuer Isaac, ce qui est pas encore fait. Oh. Et Blue Baby. On va s'en servir de Pinking Shears là. Aïe. Sérieusement, il y a une batterie à chaque salle, c'est ça va le faire. L'armée des mouches, quoi. C'est juste trop facile à ce stade. C'est mieux que le run de la dernière fois. Parce que je suis pas mort déjà. Ça joue un peu. Eh, j'ai peut-être un peu présumé de ma force de frappe là. Non, magicienne. C'est pas utile. Il s'est caché le sac là. Et c'est bien par là qu'on veut aller. Ce qui est cool. Yeah. Bon bah il a pas eu le temps de faire son boulot. C'est ce que je te dise. On est trop efficace hein. Ok. Ok. Les salles vides c'est sympa mais bon c'est pas fun. Un petit cœur pour la route? Non. Pas exactement. Petite Curse of the Maze pour la route?
Putain, le poison qui fait suffisamment de dégâts pour tuer les mobs, quoi. C'est quand même assez grave. On a 6 de chance, c'est pas mal. Un autre Daddy Long Legs. Dommage pour lui. Franchement, il n'y aurait pas eu Curse of the Maze, il pouvait s'en sortir. Non mais, sérieusement, Curse of the Maze... n'a jamais autant pourri les runs, quoi. On va voir que j'ai pas encore eu Curse of the Maze qui m'amène dans la salle de Hush, quand je suis au bon étage. Mais... peut-être qu'un jour... Hop, 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 hop. Toujours un Mathémésis, Télépils... et Wheel of Fortune. Alors, Isaac. C'est vrai que j'ai un cœur maintenant. Ça me casse mon invincibilité. C'est pas chic. Ça, c'est fait. Oui, c'était pas dur. Et on a débloqué la Bible satanique. Et je me pose une question. Non, on n'a pas eu Mega Satan non plus. Ben, c'est pas pour aujourd'hui. Attention. Baboum. Baboum, baboum, baboum et baboum. Alors, Stigmata, oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va laisser les deux autres des fois qu'on arrive à choper un reroll. Ça, c'est bien. Merci Boss Rain. Non mais sérieux. Je sais pas combien j'ai de vie mais ça a dû tomber sec là. On se prend un décœur complet de dégâts, je rappelle. Donc on va arrêter de faire le con et on va se concentrer. Faut vraiment que je fasse attention à Boss Rain. Non. Je sais pas ce que c'est qu'il a tué au final. Il y avait trop de violence. Strength et magicienne. On va rester sur du strength. Ok. Ah, les mouches, dès qu'elles touchent, dès que le filet de mouches touche... Ah, vous savez quoi? Ça ne marche pas, forcément. On a une chance qui est suffisamment élevée pour que ça drop plein de coffres. Le problème, c'est qu'ils donnent pas de la vie, ces coffres. Pas toujours non plus. J'ai pas envie de me faire toucher. C'est pas de la vie non plus ça les gars. Voilà. Je sais pas, ça se trouve j'ai vraiment qu'un cœur là en stock, donc ouais, pourquoi pas. Donc j'aimerais vraiment pas mourir. Tant que j'aurais pas chopé un cœur gris quelque part, je serais pas rassuré. Super. Peut-être une salle secrète. Non. Ouais, c'était peut-être pas la peine de cramer le truc, mais... Super! Best attack ever! Encore que je crois qu'il marche avec... Ouais. C'est ridicule visuellement, mais ça marche. Allez, est-ce qu'on va réussir à sécher Blue Baby? Je dirais que oui. Merci. Le gars il attend que Daddy Longlegs tue la mouche quoi. Abaddon, ah ça c'est bien.
Ça fait un petit moment que je le cherchais. Bon, du coup, on n'a pas eu Méga Satan, mais on a deux persos en attente de Méga Satan. 3. Il manque combien de Méga Satan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, techniquement. J'ai pas encore débloqué le Keeper. Allez, le prochain run, ce sera Lazarus Grid Mode. Pour le plaisir. Allez, à plus!